Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous annonce une excellente nouvelle puisque le crate, une arme de la saison dernière qu'on peut encore looter plus difficilement cette saison, est accessible, enfin en tout cas son god roll est accessible limite gratuitement, et cela jusqu'à demain soir, 18h ou 19h, je ne sais plus, en tout cas allez-y, je tourne cette vidéo le lundi, elle sortira aussi le lundi, vous avez donc jusqu'à demain 18 ou 19h, il me semble que c'est quand même 18h, ça change selon l'été et l'hiver il me semble, pour aller la récupérer. Ce god roll est tout juste incroyable, c'est le meilleur automatique de la saison dernière, ça l'est encore je pense cette saison, et en tout cas vous allez tout simplement faire, c'est une arme de démob, vous allez tout simplement faire un démob juste incroyable. Alors cette arme elle est accessible, je vous montre du coup le god roll qui nous est proposé ici bien sûr. Alors avec Dart de Waste, bien sûr, c'est la particularité de l'arme. Infliger des dégâts avec cette arme confère une petite chance de recharger le chargeur. Un pour tous, toucher 3 cibles différents augmente le dégât, enfin les dégâts pendant une durée moyenne. Et subsistance, éliminer des cibles permet de recharger partiellement le chargeur en puisant dans la réserve. Pour vous la faire simple, tout simplement, avec ces 3 perk là, vous n'allez jamais avoir besoin de recharger. Vous allez tirer comme un gros porc, vous allez toujours récupérer des munitions dans le chargeur. Quand vous tirez, vous avez une chance de... enfin, vous avez, oui, une certaine chance de récupérer des munitions dans votre chargeur. Et quand vous tuez, vous récupérez des munitions dans votre chargeur. Donc, en gros, si vous faites du démob avec, vous n'allez jamais recharger. Pour aider le démob, bon, y a bien sûr un pour tous, pour faire plus de dégâts si on fait du démob. Ensuite, au niveau des 2 premières perks, je vous conseille de mettre munitions de gros calibre pour améliorer drastiquement la portée, même si munitions perforantes sont très très bien aussi. Donc vraiment, vous avez vraiment le choix, c'est vraiment le pur god roll. Je vous conseille quand même munitions de gros calibre. Et ici, au niveau du canon, vous avez alésage intégral et compensateur à compartiment. C'est deux canons juste incroyables aussi. Là ça va être vraiment à vous de voir comment vous préférez la jouer. Je vous conseille alésage intégral pour vraiment tout mettre sur la portée. Après si vraiment la stabilité vous dérange, parce que c'est vrai qu'elle bouge beaucoup pour un automatique, laissez compensateur à compartiment, même si je vous conseille l'autre. Bien sûr, je vous ai pas dit où elle était disponible, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, c'est limite gratuit, elle est disponible chez Banshee cette semaine, et je vous dis, toutes les semaines, ils changent d'arme, donc la semaine prochaine, elle ne sera plus là. Je ne l'avais pas vu en début de semaine, je m'en excuse, peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir regardé, mais j'ai dû zapper de regarder, pourtant je regarde tous les débuts de semaine. Mais en tout cas, voilà, donc avec 7000 lumens et 30 éclats légendaires, je pense que tout le monde peut se l'offrir. En tout cas, les gars, vraiment, allez-y, vraiment, même si vous voulez pas le jouer en ce moment, allez-y, vous les allez regretter plus tard quand elle sera plus disponible avec l'arrivée du prochain DLC, je pense, fin d'année. En tout cas, voilà pour cette information. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura informé. Et en tout cas, j'espère que je vous aurai grandement aidé. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.